Un cast un peu spécial dans le sens où je vais commenter un speedrun de Sonic Advance 2, pour moi le meilleur Sonic de la GBA. Sonic Advance donc c'est une série qui est sortie sur Game Boy Advance, j'ai pas la date exacte mais je dirais début des années 2000, enfin ça fait un bon moment vu que bon depuis on est passé à la DS et à la 3DS. Sur GBA on a eu donc Sonic Advance 1, 2 et 3, le 1 était pas mal, le 2 était génial. Le 3 a amélioré le 2, mais pas vraiment d'amélioration enfin, notable qui rend le jeu plus intéressant. C'est une run. C'est une bonne question qui date de. Le jeu est relativement ancien. La run date de janvier 2012. Enfin, du moins, la vidéo postée date de janvier 2012. Et la run dure 22 minutes. On va voir un bon nombre de techniques dans cette run, dont. Le runner qui va tenter au maximum d'entrer en boost mode le plus rapidement possible. Le boost mode, c'est ce mode où Sonic laisse des images rémanentes bleues derrière lui qui augmentent sa vitesse. C'est sa vitesse de déplacement, sa vitesse de course et donc sa vitesse de saut également. Je pense que. Alors, en ayant joué au jeu, c'est le jeu le plus Sonic le plus rapide. Ou plutôt, c'est comme ça que ça a été voulu. Vous verrez dans cette run, le runner va assez souvent beaucoup plus vite que la caméra ne le permet. C'est-à-dire qu'on a Sonic qui va hors de l'écran et la caméra n'arrive plus du tout à le suivre. Les niveaux sont absolument gigantesques. C'est pour ça que vous verrez dans la run, il y a très peu, voire aucun niveau qui se finit en moins de 20 secondes. Bon, 20 secondes, c'est déjà gigantesque. Donc, sans plus tarder, on va commencer cette run tout de suite. Et c'est parti.
assez compliqué à récupérer. Dans le sens où. 3, 2, 1, Yeah.
Excellent. Yeah.
Et donc ensuite il se fait toucher et Final Zone. Qu'est-ce qui va se passer là? C'était complètement craqué. Thank you.
pourrait être intéressant à regarder. On va chercher ça tout de suite. Bonjour, c'est SPR. Et du coup, ça lui donne des choses. Ça donne des choses. Ah. Visiblement, il n'y a pas de tasse avec les émeraudes du chaos. Ou alors il y a des runs, mais c'est pas des speedruns. Bon, alors attends.